Le processus a commencé dans le cadre du travail sur le document qui vient finalement publié le 21 décembre. Forme jour ça a commencé moi-même à ma connaissance, moi rejoins le processus ça n'importe 4 mois avant décembre. Mm-hmm. Et grand pile monde qui pas forcément signé, qui t'est engagé dans dynamique pour gagner document, mm-hmm. pour analyser document, essayer proposer ça pour retirer, ça pour ajouter etc. Mm-hmm. Nous-même nous dit nous signons de bonne foi dans le sens que yon accord politique pas jamais parfait, mais moun ki engagé dans implémentation accord là, dès lors que yo gagne le minimum de volonté possible, gen possibilité pour que nous rive bay résultat escompté yo. Et pas oublier, nous un cadre référentiel bien déterminé. Gon rupture de l'ordre constitutionnel, yon transition politique, yon nan pi gros mission que le gagne, c'est créer conditions pour élection organisée pour remettre pouvoir bay peuple là. Mm-hmm. Donc nous-même nous dit nous signons de bonne foi. Nous pas vinn bay quorum à qui que ce soit, mais si jamais nous vinn bay quorum, nous vinn bay quorum à meilleures conditions au niveau sociopolitique et même économique pour permettre que nous redémarrer. Et nous gon slogan que nous commencé parler un peu partout, il y a monde qui commencé comprendre ni. Nous dit n'a veiller en dedans, n'a veiller dehors. 2022 ou rappelez bois calé, désespoir, blocus de Vareux, pas gain gaz, l'hôpital fermé, l'école fermée. Son pays vraiment à genoux. Nous croyons 2023 supposé différent. Et différent, vle dit, fok malgré tout ça divisé nous, nous capable mettre d'accord que en 2023, n'a fait en sorte que pas gagner chaos à qui reprend encore, mais la concertation, n'a essayé créer conditions pour élection capable possible pour moun kap dirige yo gen le maximum de légitimité à savoir que c'est peuple là qui choisit. Qui moun ki président 7 février 2024, c'est peuple la qui choisit qui moun kapal nan parlement comme député comme sénateur sans pas oublier collectivité territoriale yo. Voilà en gros ça qui anime nous. 2022 a fait nous mal en pile. C'est pratiquement une année à oublier et 2023 condition yo réuni pour que li pi mal si jamais pas de bon effort de dépassement. Effort dépassement ça a commencé. Est-ce que li suffisant à 100%? Nous pas ka di ça. Eh ben jodi a encore faut qu'avec un peu de sagesse, moun ki signe akou parfois pe l'estomac yo pour yo di bon pas gen problème pays assez pour nous seul, faut que nous garder Clarence Renoir qui pas signé, comment nous ka continuer parler ensemble avec Clarence Renoir comme haïtien de bonne foi, différent l'autre moun ki nan l'autre accord qui pas signé, comment yo capable comprendre nécessité pour que nous doter pays a au plus vite de un contexte global qui permette que nous organiser élection et qui permette que nous font retour à l'ordre constitutionnel. Donc en gros c'est ça. Pascal Aguilier, vous avez expliqué les raisons et qui motivaient les signatures nous en bas à cause ça. Et vous avez fait un bilan de l'année, même très succinct de l'année passée, qui sont années de toutes les misères, de tous les tracas. Et vous dites que nous souhaitons que nous avons une année meilleure. Mais nous tous connaissons que si politique là a résoudre, si il y a une crise, c'est-à-dire que au lieu de à mille ou situation, il est capable de grave. Dans quel niveau vous pensez que à quoi ça est capable de garantir justement non seulement un minimum de stabilité et d'amener des élections. L'un qu'on est ensemble d'acteurs majeurs, il n'y a pas adhéré à lui. Ok. Et deuxième bagaille, nous songeons tout que tu es compromis à cause du 11 septembre. En plus d'acteurs, en tout cas, et bon acteur qui est là, oui, à ta quoi, c'est le signe. Mais comment l'acteur qui est court et qui tel nous dit que Ariel n'a pas appliqué. Qui garantit que nous gagnons que à quoi ça n'a pas appliqué? C'est ça. Moi-même, je commence avec la première question. À savoir, qui j'en pour l'année 2023 lui-même? Qui garantit nous gagnons que à quoi ça garantit nos stabilité et mener les élections? Mon premier élément. En dehors de à quoi ça, à ça devant le site, personne sur la terre, pas qu'on est avec précision, avec certitude, qui le, ensemble de monde qui est sous pouvoir là, yo gagné pour yo quitter. Si nous chirer document ça, si dans la presse nationale nous rapporter et nous dit nous pas jamais oublier là encore, nous pas dans quelle référence don deadline pour que moun kap dirije la yo kite pouvoir. À quoi ça lui-même li préciser 2023 don année électorale
pour que au plus tard le 7 février 2024 le premier ministre Ariel Henry et moun ka pral gagner dans dynamique remaniement pour venir diriger yo le 7 février 2024 il y a quitté pouvoir. Mais l'on planifie on de même yo yon nan premier bail qui est important c'est fixer un ensemble de échéances. Jodi a la pas de problème tout moun pa obligé pa bagay la même ensemble akim. Mais yon moun ki pa signé encore est-ce le ka di moun ki en bas live là nation haïtienne en général c'est qui deadline pour nous bail pour nous sortir dans transition politique vous mettez pas de deadline est-ce que nous va supposer que l'élection année dernière pour te président année ça non mais qui ça qui plus important pour qu'on y a la gagne élection faut que nous ka commencer garder qui l'on a fait élection ça l'elle fin faire élection ça qui les moun ça va quitter. Mais pour nous faire élection, on est là, faut nous dire, n'a pas mettre KEP, n'a pas mettre sécurité, etc. Gros premier bail me dans l'émission qui est important. Moi pas signé en septembre. Mais à ça devoir aussi, même le pas signé en septembre, bien quand on vient avec question sécurité là, si tu as gagné sécurité qui rivé établi. Ou pensez moi-même t'ap à l'aise pour que me dit en septembre échoué. T'ap dit ça tout, t'ap dit mais de qui ça me chape parler là. Ça veut dire jodi a là oui à quoi en septembre là pas appliqué bon m'a parlé plus loin en septembre échoué parce que si pas gagne échec en septembre pas gagne 21 décembre mais en garder yon la plus gros critique légitime qui était fait dans cadre 11 septembre c'est que ou gagne un premier ministre qui à la fois un premier ministre qui à la fois tout pouvoir en même temps et pas gagne aucun effort de yon minimum de contrebalance jodi a là accord que nous signons et que nous avons demandé pour appliquer, li prévoit HCT, malgré toute réserve légitime qu'on gagne contre HCT. Li prévoit l'autre instance qui est analyse, très bien, qui est l'organe de contrôle de l'action gouvernementale. C'est vous, pas qu'à dire son parlement, non, au caglaï. Mais l'on a bien les documents ou senti que c'est un coup. On sort de parlement. Vous parlez de HCTA? Non, au CAGLA, organe de contrôle. Ah, organe de contrôle. Il va gagner combien de monde là-dedans? 21 monde. Ça veut dire, pour mon cap garder là, yo, gagne deux organes que transition politique ça, dans le cadre de 21 décembre, prévoit. Yon c'est au conseil de transition, que M. Vol s'était frappé par les solitaires là, et l'autre là, c'est organe de contrôle de l'action gouvernementale là. Donc, quoi voulez-vous parler? Le fait que le gouvernement ne vienne pas totalement pour conseil, il y a une bonne possibilité pour que vous remédiez à problème qui était posé dans le 4 21 décembre. Dans le 4 11 septembre, pardon. Dans le 4 11 septembre, c'est uniquement le gouvernement. Bon, c'est vrai que vous avez 10 sénateurs qui étaient en fonction, mais ni vous n'avez pas de cas utile, pas de cas utile, rien. Pas de quorum, pas de séance et la trier. Donc, je dis, nous-mêmes qui signons, ce n'est pas dit, nous dit, mon document de 32 pages, qui tant qu'on baguette magique à pote miracle nous pas naïf nous pas qu'à dire ça document dans pile imperfection là dedans comme tout document d'ailleurs pas qu'un accord dans tout accord qui proposé là yo qu'on pas qu'à joindre des espaces pour dire mais des critiques mais des réserves moi même m'a clair avoir dans tout document que me lire yo dans meilleur document à l'époque en 2021 2022 c'est le document de Montana à pile effort comme si fait etc. mais dans pile réserve si n'a prend bagarre là même sur le plan théorique, l'ordi élection second degré. Est-ce que vous comprenez, il y a 2-3 citoyens, 40 ou 50 qui disent, yo, élu en président, yo. Donc, il y a des réserves, mais en dehors de réserves, ça, yo, il y a des bagailles positives à tirer là-dedans. Donc, c'est même genre avec document 21 décembre, là. Deux instances, ça, yo, capable de porter yo garant de yon changement dans la dynamique, là, côté que, l'ordi, qui est uniquement seul pour chanter, mais, le minimum de consultation. C'est des organes consultatifs que oui. Bon, moi-même. C'est-à-dire que c'est pas un contre-pouvoir que mon tata a cherché. Là, nous avons un pays côté que le président, ou nous avons dit même parlement qui est élu, il n'y a pas respecté. Il y a un bouillon. Est-ce que c'est 20 monde? Est-ce que c'est 20 monde qui va capable de contrôler l'action? Mais ça me dit. Moi, pensé. Et aux ombres qui font, même constitution qui est écrit, qui est consacré, qui est publié, ou est toute difficulté qu'on a dans l'application. Et ça fait nous dire, réussir ton transition politique à cette volée-ci, ou même qui l'a, puis longtemps passé, qui ouais, on paquet de bagaille, il d'abord dépend de personnalité, monde qui engage dans la transition politique. Là. Lors de gagner un monde d'un coup, et premier ministre Jacques-Édouard Alexis, ou de gagner un monde d'un coup, président Boniface Alexandre, etc.,
Donc, yo te offri yon image de collaboration, de cohabitation, c'est me dire comme ça, pacifique, qui permet que yon pas empiéter sur l'autre, yon pas chercher gain plus pouvoir pour l'autre, au point que comme dans imaginaire collectif là, ou qu'on ait ces questions présidentialistes, le président toujours parle de vote, etc. Donc, puis le monde qui même critiqué le président Boniface Alexandre, ça, à savoir que, il ne pas comprendre monsieur, avant de quitter le premier ministre, sur le coq chanté, c'est lui-même qui ceci, c'est lui-même qui cela. Mais, le pays a été tiré de ça, de la mesure où, deux ans après, on a eu un jeu au le président a respecté au relais, jusqu'à ce que nous arrivions à faire élection et où vient gagner monsieur Préval, deuxième version, qui vient de venir. Récemment, tout, comme vous l'avez dit, on a gagné toute réserve contre le président privé, mais il faut avoir courage pour dire mon homme qui prend un pouvoir dans le cadre de la transition politique, c'est vrai à l'époque où quand tu es anti-privé, on dit ça va gagner, ça veut dire monsieur, élection au second degré, deux, trois nègres étaient en bas là-bas et bon en mer, on dit je mettais président, etc. Mais on a regardé un an après, non seulement au niveau macroéconomique par rapport à l'expérience. Non, mais c'est des sénateurs. Il y a des bagailles. Non, c'est des sénateurs. Juste, mais malgré des élus. Malgré tout, il y a des critiques. Oui, mais parce que ce n'est pas un moyen orthodoxe de prise de pouvoir. Oui. Dans le cadre du régime démocratique. Absolument, absolument. Donc, il y a des gens qui critiquaient, y compris moi-même à l'époque. Mais un an après, ou pas qu'à 10 transitions, on n'a pas réussi. En dehors de tout ça qui fait comme travail pour essayer de stabiliser le pays au niveau macroéconomique, mais on a regardé l'élection arrivée faite. Et l'élection arrivée faite sans un goutte de international là. Yo arrivé passer maillette là à des moun qui sont mais la forme de volonté politique. Ça lui même mais ça me dit la même chose que ça capote le garant de réussite en transition politique, c'est personnalité moun qui engagé là-dedans yo. Et moi dis ça, c'est parce que moi-même madame Maniga n'est pas de ma génération. Et m'a clair avoir ça pour que j'aime arriver même yon fois. Que j'ai opportunité pour me chita parler avec madame Maniga jou ou non là ou ap gade m'ap gade ou. Mais est-ce qu'on connaît au niveau de non aligné yo? Gen des moun qui légitimement te manifeste volonté pour yo présent dans HCTA parce que au départ, il était question que gen 5 représentants dans HCTA. 3 pour le secteur politique, yon pour société civile, yon pour secteur privé. Mais il y a des gens qui membre le groupement qui te dit yo même tu as souhaité dans au conseil de transition. Mais là yo vinn consensus vinn joine que c'est yon moun pour chaque secteur y compris le secteur politique. Mais automatiquement que non madame Maniga monte table là. Même moun sa yo qui en dedans tout monde a tout monde dit bon yo retirer quoi yo. Parce que par sa autorité, par son respect, par rapport à respect que l'inspire, etc. Ah, mon cher, nous pensons un monde comme ça, même le lit extrêmement âgé, au contraire, l'âge que le gagne, même qui permet que le transcende, ok, pas de problème, nous adhérer. Et pour le monde qui a gardé là, yo, le 21 décembre, pas gagné même un monde parmi les gens qui étaient présents, qui étaient osé remettre. On est capable de dire proposition de non ça lui-même en question ouvertement pour dire yo pas d'accord etc etc. Donc aujourd'hui ya au lieu que m'entrer dans logique qui est-ce qui a plus pouvoir que l'autre, est-ce que après il y a bon mais moi même pas oublier me font expérience au niveau de la primature et moi lis des expériences que mon fait au niveau de la primature. Y a une raison qui fait nous même nous favorable depuis 2019 pour que gon révision constitutionnelle pour que nous même garder est-ce que nous pas font débat pour un plaidoyer pour changement de régime politique dans pays là c'est pour retirer pays là nos confrontations systématiques à sa drôle-ci entre président et ministre ça qui fait que pays là comme si toujours bon tension comme si au niveau de pouvoir exécutif là qui empêche que gain sérénité pour politique publique appliquer ça veut dire aujourd'hui là document ça effectivement ou gain raison li pas forcément fait de HCTA en super chef autant que le parfait de premier ministre en super chef parce que m'a pli noir sur blanc en dans document ça avant que me joigne les map tout la gay en créole autant que le premier ministre pas gagné possibilité capacité pour révoquer HCTA c'est autant que HCTA lui-même pas gagné capacité pour lui révoquer parce que pas oublier priorité à ça excusez-moi ça priorité à c'est pas gagné prévoir que ah mon cher avant 7 février et faut PM nan voye HCTA ou bien mon cher avant 7 février non mais priorité a c'est comment deux instances ça ou capable collaborer ensemble suivant ça dit dans document pour que 7 février 2024 l'on invite m dans émission
n'a parlé de nouveau président. Là, nous connaissons que ça, c'est vraiment un rêve pour nous avoir l'élection en 2000. Anissa, en tout cas, de mon point de vue, pour l'instant, le président en 2024, et tenant compte de toute situation qu'il a, et même en temps normal, ou pas qu'on essaie de payer, ou qu'on insécurité galopante, pas qu'on rien, ben, comment l'élection qu'a fait. Mais cependant, ça me donne un jour, sous question, par exemple, effectivement, on était libre à ça, et c'est une raison qui fait probablement qu'il vient dénouer la situation, à savoir que, il y a un article dans ça, ou un passage qui dit que le président, en premier ministre, n'a pas qu'à révoquer la CTA, la CTA n'a pas qu'à révoquer. Mais oui. Mais la seule différence, et le premier ministre a un avantage, il n'a pas qu'à révoquer la CTA, puis l'ignorer. Bon, et même que ça qui est important, je dis à la Assad, c'est même genre avec nous-mêmes. Nous cassons à quoi je dis, hein, et puis nous disons, bon, et ah, ben ça un bout de papier, si elle pas important. Priorité à c'est comment moun qui siyen yo même tout yo ka continue à faire pression pour ça nous siyen bagay la passer comme ça doit. Et ça fois ouais ou grand pile doute sur qu'il a c'était à monter qu'il est pas monter, c'est des doutes légitimes et ou pas ou seul comme citoyen haïtien qui a doute ça yo. Mais ça me ka ba moun ka garde émission là comme garantie dans 24 à 48 heures t'as supposé gon arrêté qui sorti qui aller dans sens publication de nom moun que secteur ou te choisi yo. Est-ce que y a tout désiré le président ou bien pas gon élection de mi-temps yo ou bien y a juste qui donc document ça c'est il fait de choix moun ka pri président et li a la discrétion de trois membres. C'est ça le problème non m'jou on pas pré dire ça problème non pour qui ça et on pas pré dire ça dit yo pas vrai non mais en même temps c'est pas vraiment ça le problème là parce que tout le monde connaît que madame Aniga président c'était anormal non mais moi même m'a pas dit un petit bagage mais il me recessive lui c'était à tout n'a parlé en toute honnêteté moi même tellement arrivé loin me rappeler mon émission ça gagne une semaine et demie à deux semaines pas même bon m'a dit j'ai hier même on va réfléchir même perdu quoi m'a pas réfléchi sur ça moi dit automatique moi dit et on monde donc madame Maniga pour les états mais on nous garder bien même si c'était moi même toi ça devait aussi qui vient membre HCTA m'a clair quoi si bagarre là c'est voter m'a voter madame Maniga comme membre HCTA mais pas d'office mais comprendre bien oui ça veut dire quelque part moins penser moins que me penser madame Maniga hier. Moi, je pense que son monde a gagné assez d'élégance pour le connaître que, oui, par rapport à l'autorité, l'État va revenir. Et que Ariel n'a pas qu'à mettre le président. Non, mais en même temps, moi gagné certitude que toute bagarre a fait dans le consensus. D'ailleurs, pour me calmer, comme si tension et toute légitime qui gagne, HCTA a réuni plusieurs fois déjà. Alors, je ne vais pas dire HCTA. Mob qui désigné pour venir à la CTA, il a réuni plusieurs fois déjà. Dans pile séance de travail qui a fait, dans pile concertation dans le temps. Non, on est, ça m'a dit à tout, gagner, il y a un problème sur la question qui va diriger le CTA. Ou même, et comme citoyen qui est engagé, ou qu'on est, depuis que là, son question de politique, son question de pouvoir, les enjeux sont en détail. Depuis qu'il y a un jeu, quand même, jouer à cette vol, c'est l'inaturel. Et vous regardez, tout le monde. Qui soit fait science politique ou bien qui a fait l'autre étude connexe, li naturel que depuis bah elle a gagné un jeu de pouvoir, Assad d'arrêt mais gagne X position, d'arrêt mais gagne Y position, a toujours gagné des velléités. Non, mais si Assad n'était pas garanti aucun pouvoir, mais pourquoi c'est un gourmet pour vous? Non, mais non, je ne peux pas dire même Jean-Saint Marco. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas garanti aucun pouvoir. Non, bon, mon pouvoir, Assad. Non, mais bon, excusez-moi, on essaie de prendre bah elle là. Dans l'ordre que vous devez dérouler suivant document. Document. Là où vous avez publication de arrêté qui dit mes personnalités, secteurs ont fait choix de vous pour venir représenter la CTA, comme on dit année à supposer ou année électorale, ça veut dire que vous avez premier bagage vous avez besoin comme outil, vous avez besoin au conseil électoral. Ok. Mais vous regardez récemment sur le président Jovenel Moïse, malgré des gains au conseil électoral, le fait que tu aies une difficulté pour conseiller sa prêté serment devant cour de cassation n'est pas jamais capable d'entrer en fonction. Yeah. Ça veut dire, j'ai un document prévu là tout, avant même qu'on arrive dans la dynamique conseil électoral, on va être obligé de compléter cour de cassation. Mais document ça a dit, pour compléter cour de cassation, hein, ce n'est pas le premier ministre lui-même seul qui a fait ça. Ça veut dire, c'est en concertation avec au conseil de transition. Ça est le premier bagaille. Deuxième bagaille. Ou dit ou après y mettez KEP.
Donc, il faut faire choix de qui monde qui a vu membre KEPA. Mais, il a dit que KEPA est là déjà. Non. Les noms sont là. Ça lui-même, c'est les, où on est politique. C'est les noms sont là. C'est pas des problèmes. Moi, je connais que nous est parti avec le premier ministre Ariel Henry qui dit qu'il n'a pas publié non. Moi-même. Donc, il était là déjà. Bon avantage. Ça fait 5 à 6 mois. Bon avantage que je là. Quel que soit ça ou d'avoir dit, ou le premier ministre Ariel Henry, l'autre monde, etc., moi-même, moi pas porte-parole de qui que ce soit. Yon, moi son signataire de accord là qui oué ça me signe qui comprend ça me signe et puis m'a pensé font travail pédagogique me dit mon mais qui ça quand dans document qui signe dit pour faire choix de membre KEPA c'est pas uniquement premier ministre là ça veut dire comment la fait au conseil là lui-même gon liste de 21 non que y a soumettre à CTA et c'est à CTA qu'on est là qui va faire choix de 9 personnes non mais qui est-ce qui a choisi 20 monde ça pour soumettre à HCTA. Bon, en réalité, c'est pour voir. En réalité, mais qui ça vient arriver. Ou même comme monde d'expérience comme ça, dans la question conseil électoral, etc. Si c'est constitution, hein, ou que tu connais que c'est pouvoir exécutif. Non, on fait le coup. Qu'est-ce qu'on fait pour mon pour faire le coup, là, c'est pouvoir qu'on fait là, il est question de secteur qui représente la société. Non, est-ce que c'est pouvoir qu'on choisit 20 moun? 21 moun. 21 moun pour soumettre à HCTA. Exactement. Est-ce que tu as choisi 9 moun là-dedans? Oui, mais c'est sa concertation. Ah, mais ça veut dire que ça. Ça veut dire c'est moun pouvoir choisir. C'est sa concertation. Est-ce que tu as obligé nommé? Mais qui moun yoye? C'est pas des Chinois, c'est pas des Japonais, c'est des Haïtiens. Oui. Ça veut dire, quel que soit l'agence, il faut que tu aies gagné un côté moun. Est-ce que tu as participé dans le choix là? Non, mais pas oublier. Dernière phase qui est plus importante, qui c'est 10 mai qui moun gueulier. C'est à CTA. Oui, mais il y a plein de noms panier que vous avez choisi déjà. Peu importe. Oui. Peu importe. Non, ça vous pouvez sortir quand même. Oui. Comment bien? Mais si à CTA, tu n'as pas oublié un choix 21 moun, tu as compris. Attendez bien, Assad. Mais qui est ça qui est important? Ça qui est important, c'est que dans KEP qui a monté, ou bien deux instances, non niveau 1, non niveau 2, ils ont tous les deux à participer dans le choix. C'est ça le document dit. Mais l'on arrive plus loin. En dehors de tout ça, ou qu'on est depuis qu'il y a une nouvelle dynamique et je vous dis à nous dit c'est 11 septembre et c'est vrai c'est 11 septembre qui est sur pouvoir comprenez bien ça veut dire accord 21 décembre là li quelque part c'est une nouvelle dynamique annoncée mais il est pas encore là d'accord il est pas encore là même au niveau de choix qui moun k'ap vinn dans cabinet ministériel ou pas moun éventuellement k'ap vinn directeur général ou pas etc. encore une fois contrairement à dynamique 11 septembre là c'est pas uniquement le gouvernement bon me dit bien c'est pas uniquement premier ministre là qu'après il fait choix ça yo mais c'est de concert avec au conseil là et m'pa même parler de question dialogue politique question de feuille de route transition hein, tout ça yo, c'est de concert avec HCTA donc document ça lui-même même le li pas prend le risque pour venir avec une situation qu'après créer tension qu'après créer confusion mais li tendait réserve légitime que des moun tan koué ou des moun tan koué mouen te formule par rapport à 18 mois passé yo et puis il dit OK pas gen problème. Bon venir avec des instances sans pas voye yo ay goumen yo na clot. Ben ça important tout. Gon jont te capable créer yon HCT ou bien gon jont te capable bailler des pouvoirs à un gouvernement. C'est des monstres qu'on créer pour y affronter entre eux. Et puis situation crase nan manou. Forme du tout que Ariel Henry comme premier ministre, il pas ka pour lever côté la mettre pied tout. C'est-à-dire qu'il peut pas se faire avoir. Donc moun que la place yo tout moun sa yo c'est de même sur dans secteur c'est des moun qui gain des intérêts politiques. Donc monsieur pas capable on code pour maintenant cool faut joindre un meilleur moyen pour que lui-même parce qu'on arrive dans une situation tout côté que monsieur tellement faut nous dire ça il a tellement accepté à pouvoir tout et puis il vient tout on structure de blocage. Bon, il pas capable rien. Il faut que tu d'accord que j'ai fait ça, c'est que je n'ai pas qu'à dire à HCTA à contrôler l'action et pouvoir. Il n'est pas représenté au Parlement, il n'est pas un pouvoir effectif, il est simplement son pouvoir consultatif. Même parce que ignorer tout si vous voulez. Même parce que c'est 50-50. Parce que l'autre dit qu'il est capable d'ignorer tout si vous voulez. Mais qui. Et c'est malheureux parce que vous allez démissionner. Il est là, il n'y a pas de problème. Ça veut dire tout ça n'a pas parlé là, c'est des scénarios qui après alimentent la crise là.